pays Canada la gay en pile possibilité pour plusieurs haïtiens qui ont famille au Cap Vive ou bien qui résident au Canada. Mesdames, mademoiselles et messieurs, information ça vini et fait plaisir à la population haïtienne nan, surtout en pile la yo qui souhaitait visiter yon autre pays qui ont famille qui réfugié au Canada. Pral gen chance, m'pral vini avec yon vidéo côté ou pral jwenn toute explication. Ambassadeur canadien même expliqué mais qui ça détail là et m'pa comprendre grand pile effort qu'on fait. Ça sont bonnes nouvelles. Mesdames, mademoiselles et messieurs, malgré vigilance dépression tropicale là li levé pour saluer pas échapper en donc en bas rail à dépression tropicale ça nan yon vidéo que m'pral partager à vous même zone vraiment neye ak l'eau et surtout pour moun qui habitait tout près la mer yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, jodi an li marqué 220e anniversaire bataille de Vetière dans tout pays d'Haïti. Une bataille qui augmente fierté haïtien sur toute scène mondiale là. Donc gouvernement Ariel Henry via Patrick Boisvert comme premier ministre AI dans déplacement suite à déplacement Ariel Henry aller qui aller dans pays Arabie Saoudite. Allez, je dis en Mupana sous chaîne Masla, déposer j'aime fleur et informer et by quelques informations sous importance date sa gagné. Divers militants sous bon payo qui étaient présents réagir. Bralvin a toute information ça pour vous. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Est-ce que la Pkembe, est-ce que tout bagaille en forme? Pigo régime ça cherche information pour me porter le baou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pas jamais oublié. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. La société, écoutez attentivement. Il y a une bonne nouvelle là pour le pays Canada. Et il y a un pile bonne nouvelle. Je pense que c'est essentiel. Au lieu que moi-même mal plus parler, je vais quitter nous-mêmes sur le panneau à l'écouter ambassadeur. Et nous faisons écouter ambassadeur. Donc nous avons justement connaît qui ça que nous devons faire. Mais avant que moi aller à rejoindre ambassadeur, donc n'abrapleau, il y a un pile difficulté qui dépression tropicale ça fait. Donc on va aller tout garder image avant même d'aller joindre ambassadeur pour montrer comment ça y est dans zone port salut genre situation li compliqué mesdames mademoiselles et messieurs. Mais ça nous tourner là bon salut. Mais ouais doucement calico. Et mon qui kon ka met. Moun ki kon ka doudout, moun ki kon ka yann, pa gen kati loulou anko, pa gen e adou bitch anko, kato, men, wè kouman la men apre kato, e kato ni men, ka Yorel, ka Kelly, ka Vivian. Le président Biden a rendu public plusieurs politiques migratoires ces derniers mois. Question de permettre à des Haïtiens qui le désirent de venir aux États-Unis. C'est quoi la différence entre le programme canadien pour les ressortissants étrangers, pas uniquement haïtiens? C'est quoi la différence et comment des Haïtiens peuvent-ils tirer parti de ce programme? Bon, le programme canadien vise des objectifs similaires, essentiellement compte tenu de la situation humanitaire en ce moment en Haïti et au Venezuela et en Colombie. Nous avons ouvert ce programme où 15 000 personnes, 11 000 par réunification familiale pourront venir au Canada. Des ressortissants de ces trois pays. Donc, pour ce qui est, et ce sont les mêmes règles pour les uns et les autres. Essentiellement, ce que nous avons fait dans les circonstances,
Nous avons donc il faut avoir un membre de sa famille qui est un résident ou un citoyen canadien majeur, donc plus de 18 ans. Après ça, nous avons pris une définition élargie de la famille, parce que quand on fait la réunification familiale, normalement on a une définition beaucoup plus limitée de la famille, mais dans ce cas-ci, ça peut être un conjoint, parent, enfant, grand-parent, frère et sœur, qui est pas le cas normalement. Dans les circonstances, on a aussi pris la décision de rendre le programme gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun frais d'application et même certaines aides pour les gens. L'objectif, c'est malheureusement, ce sera très bientôt, mais on n'est pas en mesure de recevoir des applications encore, mais ça s'en vient bientôt. Et l'idée, c'est d'essayer de finaliser les décisions d'ici la fin mars 2024. Donc, ça devrait bouger assez vite. Mm-hmm. J'ai entendu la semaine dernière que le Québec, dans un premier temps, ne serait pas prêt d'accueillir des migrants. Et dans un second temps, on avait dit oui, on serait prêt à les accueillir moyennant un test de français. Vous êtes au courant? Bien, pour ce programme en particulier, celui auquel on fait référence, qui est la réunification familiale élargie pour Haïti, le Québec a opté de ne pas participer. Pour ce qui est du reste du programme d'immigration du Québec, il y a beaucoup de discussions en ce moment qui se fait sur quels seront les critères, parce que le Québec gère sa propre immigration au sein de la Fédération. C'est une entente que nous avons avec la province. Et je sais qu'il y a beaucoup de discussions et effectivement, il y a eu des références au fait qu'un test de français pourrait être nécessaire. Mais bon, il faudra poser la question directement au Québec pour l'avenir. Je comprends. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez revenir sur, parce que quand même, si on est là pour aider les Haïtiens à mieux comprendre certaines choses, est-ce que vous avez une idée des critères? Essentiellement, comme je vous disais, il faut être haïtien, il faut avoir un membre de sa famille, soit un frère, un parent, un grand-parent, qui est résident canadien ou résident permanent et qui n'est pas en état de faillite personnelle ou qui n'est pas sous les verrous, c'est-à-dire en prison. Mais c'est à peu près ça les critères. Hein? Donc, faillite personnelle, ça voulait dire quoi? Bien, c'est quelqu'un qui n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins et qui a accumulé un nombre de dettes tellement grand qu'il n'a plus la capacité de rembourser ses dettes. Donc, un individu au Canada peut déclarer faillite personnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens ont des dettes, surtout avec cette crise, mm-hmm. le pays qui est la région métropolitaine notamment, qui est à 85% contrôlée par les gangs. De nombreux Haïtiens ont des dettes. Est-ce que ça veut dire beaucoup de Canadiens ont des dettes aussi, mais le concept de faillite personnelle, c'est quand vous êtes dans une situation où la possibilité de rembourser vos dettes devient complètement impossible. Donc, vous déclarez faillite personnelle, vous êtes libéré de vos dettes et vous pouvez continuer votre vie comme citoyen. Dans ces circonstances, c'est une des limites parce que, bon, dans la mesure où la personne n'a pas été en mesure de subvenir à ses propres besoins, est-ce qu'elle peut vraiment accueillir des membres de sa famille et voir à leur bien-être? Donc, il y a quelques critères comme ça, mais je peux vous dire de façon générale, c'est très généreux. Mais est-ce que l'on doit avoir quelqu'un au Canada pour vous inviter ou bien qui est disposé à vous accueillir? Est-ce que c'est le cas? Bien, il faut avoir un ancrage. Et oui. C'est un membre de votre famille qui est résident permanent, citoyen canadien. Comme c'est le cas aux États-Unis. Je peux pas parler du système américain, voici pour le Canada. Je suis d'accord, c'est parce qu'en général, pour le programme communément appelé programme Biden, il faut que quelqu'un remplisse la forme pour vous. Donc, je voulais savoir si c'est pareil. J'ai un ami, un proche, parent qui est au Canada et puis lui souhaite me recevoir. Donc, il entreprend les premières démarches. Vous ne pouvez pas faire le programme si vous avez un cousin à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans et qui n'est pas au courant de votre demande, par exemple. Donc, voilà. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait entente entre les parties, tout à fait. Mais encore une fois, tous ces détails seront communiqués bientôt et les gens pourront, à ce moment-là, soumettre leurs applications. Vous avez dit 15 000. Ces 15 000-là, ce n'est pas 15 000 Haïtiens.
C'est 15 000 pour les trois pays et c'est 11 000 sous la réunification familiale. Il y a un 4 000 qui est plus économique, travailleurs temporaires. Il y a un quota exigé par pays? Non. Non. Pas à ma connaissance, non. Tous les pays ont la même chance. Mm-hmm. Mais c'est sûr que vous avez intérêt à ne pas trop tarder. Voilà. Globalement, M. l'ambassadeur, la coopération entre Haïti et le Canada aujourd'hui est, selon vous, satisfaisante? Oui. La coopération bilatérale d'État bilatérale, à État. Bilatérale. Oui. Vos priorités, vos domaines d'intervention prioritaires sont bon, la sécurité, je sais. La sécurité, écoutez, c'est notre plus grand programme d'aide au développement dans les Amériques, le programme canadien ici. Et donc, on y croit beaucoup, on investit beaucoup de temps. Donc, il y a toute une équipe qui est très investie à s'assurer. Et on travaille beaucoup en appui à la police, mais il y a tout le travail humanitaire et le travail d'éducation, le travail de gouvernance, le travail de santé, le travail de donc, tout ça, ça continue. Et l'année dernière, 125 millions ont été dépensés juste en aide au développement, et auquel on ajoute le 100 millions pour la police. Donc ça, si vous me demandez quels sont l'endroit où je passe mon temps, c'est essentiellement beaucoup sur ces questions. Mm-hmm. Et c'est important parce que c'est l'avenir du pays. Mm-hmm. Quand un ambassadeur est dans un pays, il est attentif à tout ce qui se passe dans ce pays, tout en s'abstenant de s'immiscer dans les affaires internes du pays en question. La question que je vais vous poser a rapport à la relation entre Haïti et la République dominicaine. Le scandale provoqué par le canal, vous en avez entendu parler, monsieur? Oui. Et ça vous dit... C'est impossible de ne pas en avoir entendu. Et ça vous dit quoi, ce dossier-là? Comment vous le comprenez? Je trouve ça dommage et j'espère que les partis trouveront un terrain d'entente bientôt. Je sais qu'il y a déjà certaines choses qui ont été des ajustements, des accommodements qui ont été faits, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et on espère que ça se réglera bientôt. Et qu'est-ce qui est dommage? Le scandale provoqué par le canal ou bien… Non, bien la réaction des deux pays. La réaction des deux pays, la réaction d'un pays, l'incompréhension, le fait de… Je pense que s'il y a une chose auquel on croit fortement, nous, au Canada, c'est le fait de s'asseoir, de discuter, de trouver des solutions. Donc, c'est sûr qu'on encourage les partis à faire de même. Mm-hmm. Vous avez entendu ce slogan haïtien, je sais que vous êtes à peine arrivé, fraîchement arrivé, votre créole ne doit pas être trop long, si je ne m'abuse, non. Mais si on vous dit « Canal la pape campée », vous comprenez ce que cela veut dire? Non. Non, il ne comprend pas. Canada? Non, pas Canada, Canal. Canal? Pape campée. Oui. Oui, je l'ai lu, je l'ai vu, mais je ne sais pas, réfléchissez-moi la question. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Non. Canal la pape campée, c'est-à-dire les travaux du canal ne doivent pas s'arrêter oui. En chemin. Mm-hmm. Donc, canal la pape campée, donc vous comprenez? Oui. Donc, c'est senti, c'est fort. À votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec les Haïtiens qui disent que canal la pape campée? Comme vous avez dit, il y a des limites à ne pas franchir. Sur ces questions purement nationales, je n'ai pas vraiment d'opinion. Mm-hmm. Il y a des étudiants qui me demandent de vous poser cette question, à savoir est-ce qu'il n'y a pas de programme de bourse en perspective pour les jeunes Haïtiens, à part le programme de migration dont on vient de parler? Écoutez, c'est une bonne question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais je vais faire mes devoirs, puis je reviens vers vous. Avec les réponses. Je suis convaincu qu'il doit y avoir des possibilités. Là. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Mais quels sont ces programmes? Comment les accéder? De quel ordre ils sont? Ça, je ne suis pas au courant. On va refermer l'interview avec la crise politique, monsieur l'ambassadeur. C'est maintenant qu'il faut s'entendre. C'était votre conseil. Mm-hmm. C'est votre conseil. Et vous le maintenez. Ah, mais oui. C'est maintenant... qu'il faut s'entendre. Oui. Est-ce que vous voulez dire
que les Haïtiens doivent profiter de la présence des émissaires pour trouver un consensus, un compromis, un accord ou une entente. C'est... Beaucoup d'efforts ont été investis à essayer de comprendre les positions des uns et des autres, essayer de les rapprocher. Je sais que les éminentes personnalités ont mis des idées concrètes sur la table. J'espère que... Ces éminentes personnalités sont à leur quatrième mission. Oui. Jusqu'à présent, rien. Rien. Mais bon, il y a des défis qui ne se règlent pas en un coup. Mais de mon point de vue, c'est maintenant qu'il faut s'entendre parce que je pense que tout a été dit. À un moment donné, il faut reconnaître que tout a été dit. Je comprends très bien votre position, vous comprenez très bien la mienne. Bon, maintenant, retroussons nos manches, trouvons un terrain d'entente au bénéfice de la population, de façon à ramener le pays sur le rail constitutionnel et de passer à des élections. Et la seule façon qu'on peut le faire, c'est avec des élections. Donc, notre point de vue, c'est aujourd'hui, c'est mieux que demain. Demain, c'est mieux qu'après-demain. Donc, le plus tôt sera le mieux. Et je pense qu'il y a vraiment une occasion maintenant qui est tangible, qui est concrète. Et je pense que c'est jamais simple. Mm-hmm. Il faut savoir s'élever au-dessus des positions très, très fortes personnelles. Mais c'est jamais simple. Mais j'encourage vraiment toutes les parties à faire preuve de flexibilité, de vision et encore une fois, d'arriver à une entente qui sera là pour le bénéfice de la population dans son ensemble. Haïti peut compter sur une aide canadienne pour l'organisation des prochaines élections, même si on ne sait pas quand elles vont se tenir. Écoutez, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense que je peux dire avec une certaine légèreté d'esprit que je pense que le Canada sera au rendez-vous, définitivement. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. J'étais très content de pouvoir vous poser des questions ce matin pour une première interview. J'espère qu'il y en aura pas mal, qu'il y en aura d'autres pendant votre mandat ici en Haïti. Je vous laisse le soin, Monsieur l'Ambassadeur, de placer le dernier mot. Peut-être vous avez des choses à cœur que vous n'auriez pas dites pendant l'interview. Allez-y, c'est votre tour de le faire. Merci beaucoup pour cette belle occasion. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Effectivement, si ce n'était pas clair à travers mes propos, s'il y a une chose qui filtre, qui colore toutes les positions canadiennes, c'est une des solutions haïtiennes pour les Haïtiens. Donc, on y croit vraiment. C'est quelque chose qui, pour nous, est central. Donc, on encourage vraiment toutes les parties à trouver ces solutions et le Canada sera toujours là pour vous accompagner. Merci. Merci encore une fois. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.